Où suis-je Ok fallait que j'aille par là je crois Oh Merde merde je voulais le battre avec son poing Ah oui ah oui ça aussi fallait que je vous montre En fait dans Oblivions Ta vitesse d'attaque est grandement déterminée par ton arme ah. <laughs> En fait, je, vous voulais montrer, je voulais vous montrer qu'il frappe extrêmement vite parce qu'il était équipé d'une dague, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a sauté dessus et qu'il a tapé le piège et du coup, bah, il est mort. Bah, c'est des choses qui arrivent. Hein. Ah. Ok, ce rat-là est déjà mort. Coffre ici. Tac-tac. La musique a disparu Ça veut dire qu'un ennemi m'a capté. <laughs> ok c'est bon, j'ai remporté ce combat. Woohoo Alors on va récupérer ça. Ok. J'ai plein de flèches. C'est vrai que le tir à l'arc il est spécial aussi. Il n'est pas du tout comme dans Skyrim. Ça fait des petites sauvegardes régulières. Ah! Avec lui, je vais pouvoir vous montrer. Allez, viens te battre, viens te battre. Ok. Donc là, il est équipé d'une dague. Du coup, vous allez voir, il frappe extrêmement vite. Je vais me laisser taper. Tape! T'as vu? T'as vu ça? Tiens, tiens, tiens. <laughs> Système de combat réaliste, by the way. Vu que tout le monde a une attaque speed de baiser dans le jeu, le mieux c'est très souvent de <laughs> spam le clic gauche comme un bourrin. Voilà, comme ça. Et là tu vas là-dedans, t'arrives derrière le petit mage. <laughs> c'est quoi ce merdier oh, Ok, il y avait quelqu'un d'autre. Ok, le voilà. Ok voilà Il était temps d'hurler un petit peu On ramasse son bâton de chaman parce qu'il vaut cher Alors celle-là elle est moins bien que la mienne et j'ai plus beaucoup de poids Ah oui et aussi dans, dans Skyrim euh, dans, dans Skyrim pardon dans Skyrim 4 Donc Oblivion <laughs> Tu as... Vous avez trouvé un marteau d'apprenti qui peut vous en récupérer, réparer vos et armures. Là, 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 talent d'armurer. D'accord. En fait, tu as deux talents qui, qui ont été retirés dans... Dans, dans Skyrim, mais c'est bien dommage. L'athlétisme et l'acrobatie. En gros, plus tu as de l'athlétisme, plus tu cours très 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 vite. Et plus t'as as de l'acrobatie, plus tu es capable de sauter très 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 haut. Et ça peut créer des choses très marrantes. Du coup, c'est sympa. L'épée elle vaut cher, laquelle Laquelle What the fuck Qu'est-ce que j'ai oublié de ramasser What Non, vous êtes des menteurs, vous êtes des menteurs. Dans le coffre ah, Attends, le coffre qui était là-bas Tiens, je vais rengainer aussi. Ah oui, effectivement, elle vaut cher et je ne l'ai pas ramassée. Ok, vous êtes peut-être pas des menteurs en fait. Moziko, cool, merci pour ton prime. L'OCIO, merci beaucoup pour les 23 mois de tier 3. Merci beaucoup, L'OCIO. tic -tac, -tac, tac 98, merci pour les 2 mois de sub. Elbion 9, merci pour les 7 mois. Et il fallait que j'aille par là. Ou alors c'est... Non, c'est par là que je viens. Tiens, ça sert à quoi ça À ouvrir la cage des rats. Ok. Ok. Faut que je prenne mes marques avec les touches. C'est vrai que tu peux te déplacer en sautant en fait. C'est vrai que tu peux tout simplement. Merde, je suis encore revenu sur ma position. Ah Oups. C'est vrai que dans Oblivion, faut pas hésiter à sauter un max. Votre, apo... Votre acrobatie, talent accru. En vrai je me rappelle que l'extension Shivering Isle était vraiment épique WEP WEP elle est lourde OH NON AH OUI Alors ça c'est la différence aussi dans un Oblivion et dans un Skyrim Dans Skyrim lorsque tu portes trop d'objets Tu peux marcher mais lentement Dans Oblivion lorsque tu portes trop d'objets Tu ne bouges plus Tu ne peux tout simplement plus bouger Tu ne peux pas... Tu peux pas sauter, tu ne peux plus rien faire Donc là je suis fixé au sol euh... D'accord je sais même plus comment on jette un objet dans le jeu. Ah merde, comment on jette un objet dans le jeu Oh oh. Ok, ok, j'ai un problème là. Euh... Je crois c'est R, non Non. Ok. Option, commande, commande. Uh-huh. Prendre Non, pas prendre. Nous, c'est plutôt laisser tomber. Préparer objet, lancer. Lancer, c'est pour le sort. Là, c'est les pas. Shift-click, vous me dites Là, je trouve pas. Là, là, je vois rien dans les touches qui indiquent. Euh... On va voir. Et effectivement, Shift-click. Tout simplement shift click. Donc les menottes pas besoin. Ça on dégage, voilà on fait un peu de place, soit ça prend du poids et ça vaut rien. Ok, bon ça me libère un peu de place. Et les objets tombent tout simplement devant moi, comme ça. Ouais je me rappelle des vidéos sur Oblivion des mecs qui s'amusaient à jeter genre 3000 salades d'un coup et... Et ça noyait la ville entière dans des salades et c'était complètement con. Mais qu'est-ce qu'on adore faire des trucs complètement cons dans Oblivion Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle arrivera avant que d'autres -voilà. Oh non, les revoilà Faut yeah penser à sauvegarder régulièrement dans le tuto parce que parfois, lors des combats, tu peux te mettre à frapper trop euh, les gardes et ils s'énervent et ils te tuent. Non. Regarde. Il 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 ah, Donc là voilà. Il Donc là, j'ai énervé les lames. Ah. Approchez. Je préfère ah ne pas avoir ah <laughs> à Ok. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer. Donc là, j'ai énervé les lames et ils sont pas contents, ils m'ont tué. Tuez-le. Il travaille peut-être avec les assassins. Non, il n'est pas des leurs. Il n'est pas des leurs Il peut nous aider. Il le faut. Comme vous... Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi j'ai confiance en vous. Ils n'ont pas vu ce que j'ai vu. Ah Comment ouais expliquer... Écoutez. Et, et qu'est-ce que tu as vu de Ricardo Les neufs, savez-vous qu'ils guident notre destinée de leurs mains Oui, dans Oblivion, ils adorent soumer de fou quand tu parles à quelqu'un. Dans Oblivion, quand tu parles à quelqu'un, boum, vraiment, c'est les yeux dans les yeux, genre tu lui parles comme ça. Les neufs nous guident et nous protègent. Je ne suis pas en bon terme avec les dieux. Je ne sais pas, je n'y pense pas. Les neufs nous guident et nous protègent, bien sûr. J'ai toujours servi les neufs, et je base mon chemin de vie... Sur les cycles célestes. Les cieux sont parsemés d'étincelles qui sont autant de feux et de signes. Je connais bien ces étoiles, et je me demande laquelle a marqué votre naissance. Mais quelle étoile a marqué ma naissance? Ah les gars, c'est parti pour passer trois quarts d'heure! On petite pause de trois quarts d'heure à nouveau! On a eu 20 minutes de gameplay, c'est reparti pour trois quarts d'heure de création de personnages. Alors. Oui, parce qu'en fait, dans Oblivion, la... la création de ton personnage se fait petit à petit au cours du tuto. Alors, l'apprenti. La capacité d'apprenti apporte un bonus permanent, triplant la caractéristique de magie, mais augmentant aussi de manière permanente la vulnérabilité à la magie de 100 points. Euh, ouais, c'est un truc de mage. On va commencer par euh... la dame. Elle fait quoi Je me rappelle, la dame, je crois que c'est pas mal. Les capacités de bénédiction de la dame, là là là, 20 points en caractéristiques, volonté et endurance. Stylé en vrai, hein. 20 points de volonté et endurance, c'est lourd. Hein. 40 points de caractéristiques au total dans ce jeu, c'est vraiment lourd. Mmh. Le mage. La capacité de mage apporte un bonus permanent doublant la caractéristique de magie. Bah non. Un, un bonus permanent de 20 en agilité. Ok, c'est encore un truc de mage. Le Seigneur. Qu'est-ce que ça fait le Seigneur Le sort du... Non, le Seigneur. Naître sous le signe du Seigneur procure le sort sang du Nord, rétablissant 60 points de santé. Il inflige hélas aussi la malédiction Trollkin, une vulnérabilité au feu permanente de 100 points. Moi, c'est pas dingue. T'as les potions et t'as des sorts de soins. Mmh... L'amant. Utiliser le pouvoir du baiser une fois par jour permet de paralyser un adversaire pendant 60 secondes pour un coup de 200 points de fatigue. La capacité de vœu, du vœu de lune apporte un bonus permanent de 20 points aux caractéristiques de personnalité et de chance. 20 points de chance C'est très compliqué de gagner des points de chance. En gros les points de chance dans ce jeu, ça fait rien et ça fait tout. En gros par exemple la force ça va augmenter les dégâts que tu vas faire avec les armes de cac et ce genre de, de choses. La chance... Ça ne fait rien, mais ça impacte légèrement tout. C'est particulier. Ce n'est sous le signe du rituel, peuvent employer une fois par jour le don de Mara comme puissanceur de regain de santé. Ouais, des trucs de renvoi à des morts vivants, ouais, le serpent. Moi je préfère un truc qui donne beaucoup de stats. Le sort du serpent inflige des dégâts de poison de magnitude 3 pendant 30 secondes, tout en vous soignant et en vous débarrassant... Des sorts au prix de 100 points de fatigue. Ok. L'ombre. Le pouvoir de l'ombre. Non, le pouvoir ombre de lune permet de devenir invisible 60 secondes une fois par jour. Ah oui, c'est vrai, il y a ça dans Oblivion. Et c'est complètement cassé de chez cassé. L'invisibilité. Hmm. Le destrier. La capacité destrier apporte un bonus permanent de 20 la caractéristique de rapidité. Donc, ça, c'est cool. C'est vraiment cool, franchement, faut pas sous-estimer ça. Parce que la rapidité, c'est génial. C'est génial dans ce jeu. Tu fais tout plus vite. Et quand tu fais tout plus vite, tu gagnes du temps. Gagner du temps, c'est cool. mais merci pour les deux mois. La tour. Grâce au pouvoir de clé de la tour, on peut ouvrir une fois par jour une porte ou un coffre avec un niveau de sérieux inférieur ou égal au moyen. Le nez de mendiant permet de détecter la vie à distance. Ah, c'est un truc de voleur ça. Si c'est un truc pour des missions de discrétion et tout ça. Le guerrier. Bon, classique. 20 points de caractéristique force. En vrai, la dame et l'amant, c'est lourd parce que tu n'as pas 20 points dans une caractéristique. Tu as 20 points dans deux caractéristiques. Et ça, c'est lourd. Volonté et endurance. Endurance, ça fait quoi ça influe sur ta ton, ton ton taux de fatigue, ta stamina, ton énergie et la volonté. Je crois que ça te rend beaucoup plus résistant à, à la magie et aux sorts de contrôle magique et tout. Et l'amant, c'est stylé aussi parce que personnalité et chance, c'est vraiment stylé. La chance, ça va impacter absolument tout. Du coup, c'est cool. Ça va faire un passif qui va toucher à tout. Et la personnalité, ça, ça aidera dans pas mal de quêtes. Parce que dans pas mal de quêtes, tu dois chercher à, à convaincre X ou X. Et avoir une bonne personnalité, ça aide beaucoup. Et quand tu as une très bonne personnalité aussi, tout ce qui est éloquence, marchandage, c'est bien. Et ça permet d'avoir des bien meilleurs prix au marchand. Et de compléter certaines quêtes avec beaucoup plus de facilité. Et en plus, tu as le pouvoir du baiser une fois par jour, permettant de paralyser un adversaire pendant 60 secondes. 60 secondes Attends, c'est broken en vrai. La dame est vraiment bien. Moi, je me rappelle que je prenais très très souvent la dame. À l'époque où j'y jouais, quand j'étais ado. Mais attends, une paralysie de 60 secondes. Donc ça veut dire que n'importe quel combat un peu trop dur, paf. Paralysie de 60 secondes, c'est bon, j'ai gagné. Crée ta propre, ta propre classe, Aldé Ouais, mais là, je ne suis pas encore à la création de classe. Là, juste au choix de signes astrologiques. Enfin, pas signé astrologique de étoiles, je sais pas quoi. Malouard, pup, merci pour le prime. Merci beaucoup. Mmh. En soi, ça colle bien Ricardo, l'amant. Le pouvoir du baiser une fois par jour permet de paralyser un adversaire pendant 60 secondes avec un coup de 200 points de fatigue. Donc... Mon charisme est si élevé que je te paralyse. 20 points de personnalité. Encore une fois charismatique. 20 points de chance. La chance, c'est bien pour tout. Peu importe ce que je décide de faire, la chance, boum. C'est trop bien. Allez, on choisit l'amant, c'est décidé. J'aurais passé combien de temps à choisir 10 minutes, même pas. Ça va en vrai. Allez, l'amant. Je suis m'ont révélé que ma route touchait à sa fin ma mort qui est nécessaire arrivera quand elle arrivera et moi vos étoiles ne sont pas les miennes l'amant rendra votre périple plus doux sur la quête de la destinée oh plus doux vous n'avez pas peur de mourir je ne suis pas accompagné des trophées de mes triomphes mais j'ai bien vécu, et mon âme reposera en paix. Les hommes ne sont que chair et sang. Ils savent quelle forme prendra leur fin, mais pas quand elle se produira. En cela, je suis béni des dieux de voir l'heure de ma mort. Cela me permet d'affronter dignement mon sort et ma chute. Moi, je dis respect. Voyez-vous mon destin Mes rêves ne me confèrent aucune garantie de succès. Ils ne s'aventurent jamais au-delà des portes de la mort. Mais sur votre visage, je reconnais le compagnon du soleil. L'aube de la gloire d'Akatoche suffira peut-être à bannir les ténèbres qui approchent. Mon cœur devra se satisfaire de cet espoir et de la promesse de votre aide. Mais où allez-vous je vais à la tombe. <laughs> la voix qui m'appelle est plus séduisante que le chant des sirènes. Ah, toi, t'aimes trop vous la mort. Je me sur une partie du chemin, après quoi nous devrons nous séparer. On euh... vous rendre utile. Tenez, prenez cette torche et ne vous éloignez pas. Ça marche, mon gros Euh, Tiens, on va te parler des lames. Nous sommes les gardes du corps de l'empereur. Notre mission est de le tirer de situations telles que celle-ci. Mais je dois admettre que les choses ne se passent pas comme prévu. <laughs> Ce qui me bute aussi, ça c'est un truc dans Oblivion. Ça arrivera souvent. Mais l'intonation de voix des personnages, elle change d'un coup. Je regardais. Nous sommes les gardes du corps de l'empereur. Notre mission est de le tirer de situations telles que celle ci Mais je dois admettre que les choses ne se passent pas comme prévu. D'un coup, il est devenu trop vénère. J'ai pour mission de m'assurer que l'empereur sortira d'ici vivant. Et je compte bien la réussir. Très bien. Ne vous éloignez pas. laissez faire notre travail et tout se passera Les gros bientôt. zooms sur les personnages à chaque fois que tu parles avec eux. En vrai, dans plein de situations, ça rend la scène complètement conne. Parce que parfois, ça arrive en plein combat, t'as un mec qui se prend une flèche dans la tête juste derrière et t'as un gros zoom et t'es en train de parler tranquillement avec le mec et y a tout qui se fiche autour de toi. C'est cocasse. Attends, j'ai envie de tester le tir à l'arc. Je compte pas jouer le tir à l'arc. J'aime pas trop. Mais je veux me rappeler comment c'est le tir à l'arc. Comment oh, c'est le tir à l'arc déjà dans les oblivions ah bah super, j'ai eu le temps de tirer une flèche. Euh, tac tac tac, c'est quoi en vanilla Ça veut dire qu'il n'y a pas de mode Oh putain, j'ai cru que j'avais touché quelqu'un. J'ai eu trop peur. Tiens, maintenant! Ah oui, c'est vrai! Tu peux stacker des flèches à l'infini dans les cadavres. Hé, hey, plante-toi! Attends, je peux toutes les récupérer? Tac, tac, tac. se plante dans une porte en bois. Ouais. <laughs> J'ai 12 ans, by the way. Alors, hop, hop, hop. Il y a quelqu'un qui me pousse, non Ah non. OK. Arrêtez. Je n'aime pas ça. Oh non. Je vais jeter un coup d'œil. La voie est libre. Venez. On est presque au bout des égouts. Bah ben écoute, je suis là, bro. Bon sang. La porte est barrée de l'autre côté. C'est un piège. Oh mon Dieu, non Ça, va derrière. Ça valait le coup d'essayer. Allons-y. Derrière nous, attendez ici messieurs. <laughs> <'est -ce> que... <laughs> Il a deux doigts de mourir. Il fait que parler de la mort. Il y a une embuscade. Qu Qu'est-ce <laughs> Oh non. Bon, allez, ça suffit. On va reprendre euh... tac. Ah bah putain il l'a déchiré Je ne peux pas aller au-delà Oh mon dieu C'est à vous et à vous seul de vous dresser contre le prince de la destruction et ses serviteurs mortels L'amulette des rois ne doit en aucun cas tomber entre ses mains Très bien, merci mec Prenez l'amulette <laughs> Et d'un coup il sourit j'offre Lui seul sait où trouver mon dernier fils oh, j'aime trop vent. jeu putain j'aime trop ah, jeu le et refermer les mâchoires d'Oblivion. <laughs> J'aime vraiment trop ce... Oh mon dieu, derrière toi oh, vous passé, <laughs> ah ah, Même sa mort, elle est trop nulle <laughs> <laughs> Il est en train de prendre le pouls de la brique Nous avons échoué. J'ai échoué. Et là avait juré de protéger l'empereur. Et maintenant, il est mort. Avec tous ses héritiers. L'amulette Où est l'amulette des rois Oh mon Dieu Elle n'était pas sur la dépouille de l'empereur. C'est l'empereur qui m'a donné ça Étrange. Il a vu quelque chose en vous. Il vous a fait confiance. On dit que c'est le sang de dragon qui coule dans les veines de tous les septimes. Ils sont plus clairvoyants que le commun des mortels. L'amulette des rois est un symbole sacré de l'Empire. La plupart des gens pensent à la couronne du dragon rouge, mais ce n'est qu'un bijou. L'amulette a des pouvoirs. On dit que seul un véritable héritier de sang peut la porter. Il a dû vous la donner pour une raison bien précise. Vous a-t-il dit pourquoi Je dois porter ça, Joffre. Joffre Il a dit ça Pourquoi <laughs> Putain, c'est un chat Twitch, ce mec-là. Pourquoi Pourquoi le dé À quand à Coroll J'en ai jamais entendu parler, mais Joffre doit le savoir. C'est le grand maître de mon ordre, même si ça ne se voit pas au premier abord. C'est un moine qui vit retiré au prieuré de Waynon, près de la ville de Corol. Comment faire pour aller là-bas Vous devez d'abord sortir d'ici. Derrière cette porte, ce doit être l'entrée des égouts, après la porte verrouillée. C'est par là que nous allions. C'est un passage secret qui permet de sortir de la cité impériale. Du moins, il était censé être secret. Tenez, vous aurez besoin de cette clé pour la dernière porte qui donne sur les égouts. Ça marche, bro. Rouenok, merci pour les 11 mois, Rouenok. Ils sont infestés de rats et de gobelins. Mais d'après ce que j'ai vu, vous avez tout l'air d'un archer aguerri. Quoi T'as pas raison. Non, t'as pas raison. Et c'était pour rigoler l'arc. Et voilà, maintenant on prend pour un archer. Vous devez choisir votre classe. Les talents principaux de votre classe seront plus élevés au départ que les autres talents. Votre niveau augmentera avec l'amélioration de ces talents principaux. Ah Allez Peut-être qu'à 22h ce sera terminé. Clown 29. Merci pour les 3 euros. Et dire que dans Skyrim, ils font des éloges d'Uriel septime. ils n'ont pas vu sa mort. Ah bah ça Tiluc, merci pour l'abonnement. Mais oui, mais la mort du, du Riel dans, dans Oblivion, c'est. En fait, les morts des, des personnages dans c'est. Oh oh! C'est tout le temps ça, en boucle. Katlan, merci beaucoup pour le Prime. Alors. Il m'a dit. Spécialisation combat. Cl... Ah, d'accord, donc t'as as la spécialisation. Les caractéristiques préférées et les talents majeurs. Ok. Sept talents majeurs. Deux caractéristiques préférées et une spécialisation. Tu peux également créer ta classe personnalisée. Et c'est ce qu'on va faire. Histoire de prendre un petit peu plus de temps. Mais il faut reconnaître. On va, on va quand même apprécier les images. L'acrobate. L'agent. L'archer, l'assassin, le barbare, barde, chasseur de sorcières. <laughs> C'est que des mecs qui ont des arcs en fait. Hein. Ils, ont, ils ont juste pris des mecs avec des arcs et ils ont mis des postures différentes. Chevalier, croisé, éclaireur. Putain, il y a tellement de trucs. Ensorceleur, guerrier, guérisseur, lame noire. Mage Mage de guerre Ah ouais C'est la même personne, mais... Ils lui ont mis une hache dans la main. du coup, c'est un mage de guerre. Arme ah, euh, lourde, ouais... Mage-lame... Moine... Pèlerin... Roublard... Voleur. Ça... Ça, c'est dans, dans les trucs qui font que j'adore ce jeu. La personnalisation de ton personnage... Est incroyable et il y a tellement d'options et de petites choses ça j'aime bien ça j'aime beaucoup bon classe perso ok première question avant toute chose quoi merci pour tes 5 mois de tiers 2 et hugo big boris merci pour les 9 mois de prime euh, qu'est ce qui s'est vite fait passer pendant l'intro euh... Je me suis fait attaquer par des rats et des gobelins. Il euh, y a l'empereur qui m'a dit qu'il m'avait vu dans ses rêves. Après il est mort, il m'a donné une amunette. Et là je parle avec son pote. Napoupan, merci pour les 23 Modrisub. <laughs> Comment ça met un casserole pour mes 5 KO <laughs> Qu'est-ce que tu racontes, la poupane Charles Panic, merci pour le sub. Ice merci pour les 23 mois. Alors Combat Magie, Furtivité. Bon, Magie, non. Furtivité Cette spécialisation vous apporte un bonus de 10 points à la valeur initiale pour progresser plus vite dans des talents suivants. Dans les talents suivants Acrobatie, Armure Légère, Précision. Précision, c'est arc, marchandage, sécurité, discrétion, éloquence. En soi, tous les talents de furtivité, à part précision, je les aime bien. Combat. Cette spécialisation vous apporte un bonus de 10 points à la valeur initiale. Pour progresser plus vite dans les talents suivants, armurier. Armurier, c'est quand même vraiment pratique dans le jeu parce que tu passes ta vie à réparer tes équipements. Athlétisme, lame. Attends, comment ça, lame Ah bah, épée et compagnie, j'imagine Ah, peut-être que les dagues et tout sont comprises dans les lames. Donc, armurier-athlétisme, ça c'est de l'utilitaire vraiment cool. Lame, donc euh, épée, etc. Parade, je comptais jouer avec un bouclier, j'adore ça. Arme contendante, combat à main nue. Combat à main nue, non. Arme contendante, je pense pas. Je préfère les épées. Et armure lourde. Attends une minute! Bon, je m'en rendrai compte certainement plus tard, mais. Ok. Ok. Bon, j'hésite entre furtivité et combat. C'est toujours ma grande question là dans, 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 dans les Elder Scrolls. Est-ce que je fais une brute? Ou est-ce que je fais une brute un peu plus discrète? Et moi, ce que j'adore dans Oblivion, justement, c'est que vu qu'il te donne autant de liberté, j'ai tendance à faire une brute discrète, une brute discrète. Attention. Donc un mix des deux. Mais qu'est-ce que j'ai envie le plus rapidement Acrobatie, la 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 la. Hum... Le problème, c'est que les talents de combat sont très importants. J'aime beaucoup me bastonner très vite parce que je suis pas quelqu'un qui suit la quête principale. De toute façon. Si tu joues à Oblivion juste pour suivre la quête principale, t'as rien compris. Moi, j'aime bien papillonner, papillonner dans tous les sens. Me balader, trouver un camp de bandits, les bastonner, faire des trucs en boucle. Combat, ça va beaucoup me servir dès le début. Armurier, athlétisme, j'en ai trop besoin. Parade, j'adore. Lame, je m'en servirai. Armure lourde, je suis pas sûr, je prendrai peut-être armure légère. Oh, je pense que je vais me spécialiser dans le combat. 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 T'as ah, la furtivité Combat. Ok. J'ai réussi. J'ai réussi à me décider. Combat. Zoster X. Merci beaucoup pour les 23 mois de resub. Et Ryuk 23. Merci pour les 23 mois de resub également. Par contre, Napupan... Je n'ai pas retenu vos diffamations! Honteux! Euh, non, je n'ai pas retenu, j'ai retenu! Et je ne suis pas prêt de les oublier! Puisque je les ai retenus! Ça a du sens. Choisissez vos deux caractéristiques préférées. Chacune d'entre elles vous rapporte 5. Attends, tu as dit quoi? Je suis difficilement prêt à te rendre des 1 casse pour mes 5 KO. 1000 scrolls pour 5 chaos, c'est une offre honnête. Je ne suis pas une sauf fraîche. Ça suffit maintenant. Alors, force. Influx sur la capacité de portage. Le potentiel de fatigue. La santé initiale et les dégâts infligés à l'aide d'armes de mêlée. Telles que les épées et haches. Et pas les masses si, certainement, armes de mêlée, telles que ZPH, ça hein, influe forcément sur les mains, ça, ça aurait pas de sens sinon. Régis les talents d'armes contendantes, oui voilà, l'âme et combat à main nue. Donc, force. Intelligence. Influe sur votre potentiel de magie et sur l'emploi de la magie. Oh que non Volonté. Influe sur la capacité à résister aux attaques magiques, sur la régénération de magie et le potentiel de fatigue. Régis les talents de destruction, altération et guérison. Agilité. Influx sur la capacité à manœuvrer, sur l'équilibre et sur la fatigue totale. Régie les talents de sécurité, discrétion et précision. Rapidité. Détermine votre vitesse de mouvement. Régie les talents d'athlétisme, armure légère et acrobatie. Rapide. Bien. Endurance. Influx sur votre potentiel de fatigue, votre santé et l'accroissement de santé lors du sommeil et de l'augmentation de niveau. Régie les talents de parade, d'armurier et d'armure lourde. Dans mes souvenirs, dans la conception d'oblivion, c'est très très bien d'avoir rapidement beaucoup d'endurance. Parce qu'en fait, c'est ton endurance qui va influer sur tes gains d'HP à 5 niveaux. Et du coup, plus vite tu as beaucoup d'endurance, plus vite tu as beaucoup d'HP en passant tes niveaux. Hmm. Donc important endurance. Personnalité, influe sur les sentiments des gens à votre égard, et donc sur le recueil d'informations. Régit des talents d'éloquence, de marchandage et d'illusion. Alors, moi, avec le signe que j'ai pris, je me suis fait booster en personnalité et en chance. Donc, les trucs giga-utilitaires. Et j'ai aussi un pouvoir de fou. C'était un bon pack dans lequel il y avait plein de trucs bien. La chance influe sur tout ce que vous faites, mais ne régit aucun talent. Mmh. Mmh. bon on va on va pas on va pas chercher les deux compétences tout de suite on va chercher à en trouver une rapidement je pense qu'endurance j'ai envie d'en prendre rapidement attends ah, c'est la force aussi qui régit la capacité de portage. Ah, c'est très important parce qu'au début, quand on n'a pas beaucoup et que tu dois faire des allers-retours à la ville toutes les deux secondes, c'est agaçant. Hum... Moi, écoutez, je suis en train de me tourner vers un combo endurance-chance pour avoir une très grosse base d'utilitaire. Et ensuite, maxer force et rapidité. Mais comme ça, je commencerai avec énormément de chance. Et je serai Ricardo le chanceux. La RNG sera tout le temps avec moi. Et quand tu as tout le temps la, la RNG avec toi, c'est très très bon. Bon allez, il est temps de se décider. Chance endurance. Chance endurance, c'est décidé. Chance endurance. En plus, ça rime, c'est beau. Ok. Oh, vous croyez que vous étiez tiré d'affaire Oh que non Choisissez vos sept talents principaux. Ce n'est pas fini. Ah ah, Numéro, merci pour les 5 mois de resub. Doness, merci pour les 8 mois. Ryuk, 23, merci pour les 23 mois. Trinda Jacksura, merci pour les 3 euros. T'en fais pas, je maximiserai la, la rapidité rapidement. Nelly rue Brut force acheter le truc de Edge of Empire 2, merci pour l'anniversaire d'abonnement. Et Aniki, merci beaucoup pour les 5 euros. Force à toi, Aniki, force à toi. PPNs à toi. Hum... Ce... ce jeu est quand même magnifique et incroyablement complet. J'en je... suis qu'au tuto... Qu tuto et je me rappelle à quel point ce jeu est magnifique et incroyablement complet. Pour le coup, en fait, vu que la création du personnage est tellement complexe, ça augmente tellement le potentiel de rejouabilité d'un oblivion, je trouve. Bon, on va commencer par trier par élimination. C'était vraiment trop bien quand il y avait pas trop de casualisation. Je suis d'accord, même si j'ai adoré Skyrim et que j'ai fait deux aventures sur le jeu, faut quand même reconnaître qu'il est très casu. Il est quand même vraiment turbo casu. Mais bon. À côté de ça, il a plein de bonnes choses. Mais là, tu vois, Oblivion, on était plus dans l'époque des... des RPG bien complexes. Et moi, j'aime bien ça. Alors, l'âme, porter des attaques, des stocks et de taille. Des dagues et épées plus efficacement. D'accord. On, on, va, on, va, on, on va pas lister ce qu'on aime bien. Parce que si je commence à lister ce que j'aime bien, je vais pas m'en sortir, je vais être là. Merde, j'aime tout. On va commencer par faire ce qu'on veut pas. On va commencer par compter ensemble le nombre de talents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Il y a 21 talents. Et je dois en choisir 7 qui seront mes 7 talents principaux. Ok. Donc qu'est-ce que j'ai vraiment pas envie Attaque sans armes. Attaque sans armes, j'en ai vraiment pas envie. Moi, je me bats avec des armes, j'aime pas mettre des coups de poing. Ok. Donc, un de moi. Destruction, c'est de la magie. Discrétion, c'est stylé. En fait, je trouve que si tu te brides des compétences de, de, de discrétion, tu peux te brider de beaucoup de contenu, de beaucoup de liberté et de beaucoup de quêtes intéressantes. Et surtout un sentiment de liberté énorme. Moi ce que j'aime bien c'est créer un personnage très complet, qui... il n'y a aucun moment avec ce personnage où je vais me dire « Ah merde, là je peux rien faire !» Enfin, sauf quand on parle de magie, parce que la magie je m'en fous. C'est pour ça qu'en général, euh, pas dans Skyrim, parce que dans Skyrim ton personnage peut être littéralement tout, mais dans Morrowind et Oblivion... J'avais toujours tendance à faire une espèce de de bruiseur à mi-chemin entre le guerrier en armure lourde et la discrétion. Moi, j'aimais bien. Donc déjà au niveau des armures. Oh, il y a pas armure intermédiaire, je m'étais trompé Armure intermédiaire, c'est que dans Morrowind du coup Légère, intermédiaire et, et lourde, c'est que dans Morrowind, dans Oblivion, il n'y a que légère et lourde. D'accord. Hmm. Je suis plutôt armure légère, moi en vrai, en général. Mais il y a des bonnes armures lourdes aussi. Après, c'est pas non plus trop définitif. C'est à dire que même les talents qui ne seront pas mes talents principaux, euh, si je décide de les full upgrade, je pourrais le faire. Mais j'aurai beaucoup de malus dans ces talents, ça me prendra beaucoup plus de temps, etc. etc. Faudra que je passe par des entraîneurs, euh, tout ça, tout ça, quoi. Il faut pas oublier un problème, c'est que l'armure lourde influe énormément sur ta capacité de, capacité de mouvement. Et ce qui est marrant de Oblivion, c'est que vu qu'il y a l'athlétisme et l'acrobatie, bah c'est le fait de... de courir et de sauter très vite. Et la lourde empêche tout ça. Alors que la légère n'empêche pas tout ça. Mais vous avez cru que j'allais prendre une décision. Oh que non! On est toujours en train de regarder. Arme lourde, exploiter au mieux la force des coups de masse et de hache. Euh, moi je préfère les lames. Moi je préfère clairement les lames que les masses et les haches. En plus, ce que j'aime bien avec les lames, c'est qu'il y a une vitesse d'attaque qui est extrêmement élevée. Vu que forcément c'est une arme plus rapide. Et moi j'adore la vitesse d'attaque. Je suis accro à ça, peu importe le jeu. Vous avez cru que j'allais prendre une décision Toujours pas. Mmh. Mmh. Discrétion, j'aime vraiment bien. Hein. Bon, ok, je, je vais commencer à essayer de prendre des décisions peut-être. Utiliser des crochets pour ouvrir des portes ou j'ai objets J'adore déverrouiller des trucs. J'adore, 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 j'adore. Bon. On va. Ah non, c'est pas tout. Ah, le talent de parade aussi, il est où Parade. Parer des attaques au corps à corps à l'aide d'armes et de boucliers. Les parades réussies réduisent les dégâts subis. J'adore la parade. Bon ok, on va y aller étape par étape. On a 7 compétences. Level 11. Merci beaucoup pour les deux mois de Prime. Merci à toi. Qu'est-ce que tu n'adores pas Aldé Eh bien, je n'adore pas le combat à main nue. Les armes lourdes j'aime bien mais je les adore pas. Armure lourde j'aime bien mais je les adore pas parce que j'ai expliqué pour l'acrobatie, l'athlétisme, les talents de magie je les adore pas. Hmm. il va prendre plus de temps pour faire son perso que Sard pour faire ses binds sur Starcraft 2. Je demande réparation, il y a diffamation. Sardosh a pris combien de temps pour faire ses binds sur Starcraft 2 Je pense que vous mentez. Guérison, c'est vrai que c'est bien quand même. Guérison, c'est la, la seule magie que j'aime vraiment bien. Il a, pris, il a pris plusieurs heures Ouais voilà, 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 voilà. Moi je me rappelle que Sardosh il avait fait un stream entier de binds. Ça va, regardez, mon stream il est là. On est à 1h41 de stream, 1h42. Et on est bientôt à la fin du tuto. Pour le moment, je fais une bonne perf. Ça va, j'arrive à être plutôt rapide. Enfin, rapide, euh, rapide quoi. Genre, euh, euh, rapide. Bon. Acrobatie, sautez loin et évitez les dégâts que causent les hautes chutes. L'acrobatie, c'est l'un des talents qui fait le charme d'oblivion. Passer à côté de l'acrobatie, ce serait vraiment dommage. L'acrobatie, c'est. Pour moi, l'acrobatie est un des talents qui a fait le succès du jeu. C'est trop marrant de faire des giga jumps. Où est l'athlétisme? Athlétisme. Athlétisme. Courez et nager en minimisant la fatigue. La fatigue réduit l'efficacité de tous les talents et ça permet aussi de courir plus vite si je ne dis pas de bêtises ou alors c'est juste un régi par la rapidité et l'athlétisme est juste là pour réduire euh... ah, je sais plus. Peut-être que c'est juste la rapidité qui influe sur ta vitesse de déplacement. Prends-les tous Ouais, ça va être compliqué de tous les prendre. Antoine merci pour les 4 mois, Drizman merci pour les 9 mois de sub. Bon, OK, il est temps de commencer à cliquer. Clic par clic. Choix de l'arme. J'ai choix entre les haches et les masses. Les arcs. Combat à main nue et les lames. Moi, c'est clairement les lames que je préfère. Pour deux raisons. La vitesse d'attaque, l'esthétisme. Lames J'ai cliqué J'ai cliqué, j'ai cliqué J'ai cliqué, j'ai cliqué Un talent vient d'être coché Lame 1 sur 7. Donc, les armes que je choisis sont donc les lames. Ok. Maintenant, il y a le choix de l'armure. Va... Le choix de l'arme, puis le choix de l'armure. On va... On va y aller par étapes. Armure lourde ou armure légère Bon, je vous ai clairement fait euh, comprendre que moi j'étais plus. Euh... Armure légère dans Oblivion parce que justement, du coup, t'es plus rapide, tu sautes plus haut, tu cours plus vite, tu te fatigues moins, tu peux plus souvent utiliser les grosses attaques vu que tu te fatigues moins et faire ah sur tes coups de hache, euh, lame sur tes coups d'épée. Hum... Armure légère. Et c'est vrai que je compte jouer un petit peu sur la discrétion, pas trop. Mais pouvoir m'en servir quand c'est nécessaire. Donc armure légère. Lame, armure légère. 2 sur 7. Faut que je boive un petit peu d'eau pour aller plus loin. Ça, c'est des grosses décisions, quand même. Vous inquiétez pas. Parce que je me bride pas en fait. Même si je pars sur armure légère, je pourrais repartir sur des armures longues plus tard en m'en donnant vraiment les moyens. Attends, je me rappelle plus c'est quoi déjà les armures. Ouais non, légère Légère Je spoil pas, mais en plus dans les légères, je crois qu'il y a une armure que j'adore de fou. Alors, guérison, lancer des sorts de regain, fortification ou absorption des caractéristiques physiques magiques, des soins et de résistance aux attaques magiques. Avoir un bon soin, c'est être durable. Être durable, c'est cool. Mais on a une potion pour être durable, donc c'est pas forcément obligatoire. Hum... Ok. Mazal, merci beaucoup pour ton sub. Mmh. Éloquence. Utilisez l'éloquence pour amener les gens à vous apprécier et à vous faire confiance. En soi, chanceux, charismatique, personnalité. C'est bien ça. Ça, ça peut être très très utile, l'éloquence. Et être charismatique, c'est important, peu importe qui tu es. Marchandage. Obtenez... Plus lors de la vente ou de l'achat des objets. Euh, faites les poches et déplacez-vous sans être vu ni entendu. J'ai cliqué Voilà, j'ai cliqué. Là, je sais, je vous ai surpris. Il est venu d'un coup. Mais acrobatie, je le veux. Acrobatie, boum. 3 sur 7. 3 sur 7, boum. 3 sur 7. Oh armurier, c'est si utile également. Conservez vos armes et armures en excellent état. Les armes et armures usées sont moins efficaces. C'est tellement important d'être bon en armurie. Surtout que moi je compte me battre avec bouclier et tout. Et je compte pas tout le temps jouer en discrétion. En fait je compte beaucoup plus me battre à la loyale que à la manière discrète, on va dire. J'ai du mal à suivre Alderyat. Tu vas trop vite, tu as pris quoi jusqu'à maintenant, sourire C'est vrai que là on a du mal à suivre mon bro. Excusez-moi, je vais un petit peu trop vite. Je vais essayer de ralentir un petit peu. Non, moi j'aime bien armurier. En plus j'ai une émote fait pour ça. Faut la rentabiliser cette emote, merde J'ai cliqué Donc on est à 4 sur 7. Ah là 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 là, les taux se referment. Éloquence, c'est vraiment cool. On n'a pas pris de la chance et de la personnalité pour rien. Ça aura beaucoup, euh, beaucoup d'influence lors des dialogues. Éloquence. 5 sur 7 Plus que 2 J'adore parer les coups En fait, j'adore dans les combats. Il met un coup, tu bloques, tac, tac, tu te remets, il te met un coup, tac, tac, et tu fais ça ensuite, de suite. J'adore la parade, et la parade, ça rajoute une dimension cool au combat. Oh merde. Guérison, je pourrais garder ça en skill secondaire et quand même m'en servir un peu. On a des on a potions qu'on drop régulièrement. Et faut pas oublier que même un skill n'est pas dans tes skills principaux, tu pourras quand même l'upgrade. Ce sera beaucoup plus dur, mais tu pourras quand même. Ok, là on a un gros problème. Parce que j'ai envie de prendre. Donc on est à 5 sur 7. Mais j'ai envie de prendre sécurité. J'ai envie de prendre parade. J'ai envie de prendre guérison. Et j'ai envie de prendre athlétisme. Donc il me reste deux choix. Et j'en veux quatre. C'est si dur. C est, c est... Ah. J'avais oublié ce moment du jeu. Le ce qui est dur dans Oblivion, c'est pas le boss de fin, c'est pas, pas les quêtes difficiles, c'est pas de monter haut au niveau de son personnage, c'est de le créer. Le créer. Parade guérison, ça ferait, ça serait très durable en combat. Mais... Sécurité, athlétisme, ça me donnerait un utilitaire sans faille. Et quand tu as un utilitaire sans faille, tu es libre comme l'air. J'ai quoi en talent de combat J'ai lame, armurier et armure légère. Mais c'est pas vraiment un talent de combat en fait. Oh merde Ouais, non, en faites pas merde, oubliez ce que j'ai dit, c'est bien en fait. Attends, non Parce que j'ai pris combat dans mes talents. Et là, je me retrouve avec plus de, 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 de compétences, de discrétion que de combat. Tu auras un cheval, du coup pas athlétisme, prends marchandage pour l'acheter plutôt. Ah, moi, j'aime pas avoir un cheval, justement. J'aime bien être tout le temps à pied, je me sens plus libre. C'est rare que je me, que je me serve d'un cheval, en vrai. Ah oh mon dieu! Bah justement, t'es hybride. C'est vrai, on est un hybride. On est un bruiseur. On est un personnage complet. Parade est un, est un talent de combat. On pourrait prendre un talent de combat et un talent de discrétion pour finir, histoire d'équilibrer. Ah, je sais pas. Refais tout, Imo. Bon, oh, en fait, je voulais faire un elfe noir, les gars. Je vous l'ai pas dit, mais. En fait, je voulais faire un elfe noir. Je me suis trompé. Allez, on recommence le perso. Euh. <laughs> non, je déconne. Hum... L'éloquence est pas utile. En soi, j'ai déjà beaucoup de personnalité et déjà beaucoup de chance. Ok Ok, je, fais, je prends une décision. Regardez bien, je vais en prendre une Dans combat, il y avait athlétisme. Athlétisme faisait partie des, des, des trucs de combat, je crois. Athlétisme, je veux être libre comme l'air. Acrobatie, athlétisme. L'âme, on est rapide. 6 sur 7. Maintenant, parade, sécurité, ou, ou quoi Discrétion, je l'ai pris ou pas Oh merde, je l'ai pas pris Donc là, je suis à sur 7. Parade, sécurité, discrétion. Discrétion, c'est le nerf de la guerre. Si je suis en armure légère et tout. Et si je veux m'amuser à faire des trucs chelous parfois. Je pourrais dégager l'éloquence et prendre discrétion, parade. Mais du coup, j'aurais pas la sécurité. On va commencer par dégager l'éloquence. Donc on est à 5 sur 7 à nouveau. Donc là, j'ai le choix entre discrétion sécurité ou discrétion parade. Discrétion sécurité, être capable d'ouvrir toutes les portes et tous les coffres, c'est quand même incroyable. Et en soi... Si je gère bien mes mouvements, j'aurai pas forcément besoin de parer tôt dans le jeu. C'est vrai que je suis rapide, j'ai oublié ça, je suis rapide. Avec de l'athlétisme et tout, et des, et des grands sauts, je peux tout simplement m'en aller frapper, m'en aller frapper. Un peu à la manière d'un Yasu. Ouais, non, en fait, je vais faire un orc en armure lourde. Acrobatie, armure légère, armurier, athlétisme. Donc, qu'est-ce qu'on a Armurier, athlétisme, lame, c'est combat. Acrobatie, armure légère, c'est discrétion. Discrétion, serrurier. Kamel Kamel, bro Kamel Attendez, je vais faire l'appel à un ami. Ça va pas être possible, il est sous la douche Low cost, merci beaucoup pour le prime Tonton Ego, merci beaucoup pour les 5 points sub, Abdul Gaming, merci pour les 3 euros Où est-ce que j'ai le jeu en français euh, Traduction, traduction, je sais plus quoi euh, Demande à un modo, il t'aidera ah, dommage, j'aurais aimé que Kamel valide mon personnage, mais il pourra venir me le valider plus tard, c'est pas grave. Alors, Sécurité, lame, discrétion, athlétisme, armurier, talent légère. Faut pas oublier que les compétences là, ça va me permettre d'en avoir un peu plus au début et de les upgrade un petit peu plus vite. Non, on va pas attendre jusque Kamel arrive, vous inquiétez pas, on va pas attendre la douche de Kamel. Je prends mon temps, mais pas pour rien. Je... Il y en a peut-être qui croient que je les troll. Il y en a peut-être qui croient que je suis en train de troller, que je fais exprès de prendre mon temps. Je ne troll pas. C'est vraiment très très dur pour moi de faire des choix là. Est-ce qu'on est sur un bon bruiseur qui est équilibré entre combat et furtivité Moi, c'est ce que je recherche. Acrobatie, armure légère. Donc acrobatie. C'est furtivité. Armure légère, furtivité. Armurier combat, athlétisme combat. On est à 2-2. Lame combat, donc. Combat 3, discrétion. Ok, donc on est en 4 en furtivité et en 3 en combat, donc c'est plutôt équilibré. Ouais, c'est ce que je voulais. On récapitule. <laughs> Acrobatie, armure légère, armurier, athlétisme, discrétion, lame sécurité. lame, discrétion, athlétisme, armurie, armure légère, acrobatie. Ouais, au niveau des talents que j'ai pas pris, y'a rien que j'ai. BOUM Ah, vous l'avez pas vu venir Clown29, merci pour les 3 euros. Célène les... Corvinus, merci pour les 5 mois de prime. Ninja Doré, merci pour les 4 mois. Et Akuma972, merci pour les 9 mois. Nom de la classe perso. Oh, faut lui trouver un nom! Ah! Ça va prendre du temps, ça. Euh... Quel nom on pourrait lui donner, merde! Parce que je suis pas un assassin, mais je suis pas non plus un guerrier. Je suis pas un paladin, mais je suis pas non plus euh, quelqu'un de mauvais. Je pense même plus, beaucoup plus vrai pour le bien que pour le mal. Tout en gardant une certaine neutralité. Je suis un bruiseur, mais un bruiseur. un bruiseur furtif, une sorte de bruiseur assassin. Tel un. Un Yassou Je suis un peu un malandrin, non, un malandrin il est mal intentionné. Ah, oh, mais je sais ce que je suis! Attendez, il faut que j'aille check la définition du mot. Faut... Oh non, faut que j'aille voir comment il s'écrit. Merde, je peux pas faire de alt tab. Où est mon téléphone Oh merde. Où est mon téléphone Je ne trouve pas mon téléphone. Il est tout le temps dans mon lit d'habitude et là il est pas dans mon lit. Où est-ce que j'ai mis mon téléphone Je crois que je l'avais mis à charger en plus aux dernières nouvelles. Oh merde Attendez, c'est pas fini, je dois trouver mon téléphone. A tout de suite De revérifier tous mes choix. Ok, ouais, re. Bon, je l'ai pas trouvé. Mais c'est pas grave. Euh... On peut pas y aller lettre par lettre. Oh attends, je crois que je sais. Attendez, je suis en train d'utiliser l'aide d'internet. Je crois je crois que j'ai trouvé. Les gars, j'ai trouvé le nom de ma classe. J'ai trouvé. Je suis un troubadour. Il y a pas les lettres. Je peux que aller j'ai que le droit à sept lettres. Oh mon Dieu, j'ai que le droit à sept lettres. Ok, ça va réduire. Euh... Euh... Attends, Paladin. P A L A D I-N What the C'est un signe. Même si mon perso, c'est pas vraiment un paladin. C'est un signe. 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 Après un paladin avec de la furtivité Ouais, non, en fait, c'est pas possible. Attends R-I-C-A-R-D-O Mais oui Je suis un Ricardo Voilà ce que je suis Je suis un Ricardo Un Ricardo Attends Je m'appelle déjà Ricardo S-W-A-G-G-E-R oh Merde. Un swagger Je suis un swagger, voilà ce que je suis, un swagger, un putain de swagger. Ah, je suis assez fier de moi, j'ai pris une demi-heure pour écrire le mot swagger. Parce qu'en soi, c'est vrai. Esthétisme, rapidité, acrobatie, athlétisme. Tu vois, ça, ça se voit que le mec il prend soin de lui. Il est baraque, armure boulante, discrétion, c'est un peu un Chad, Personnalité, chance, charisme. C'est Ricardo en plus. Je suis un swagger. Ah. Créer swagger classe. Sélectionner classe ou classe perso. Swagger. Ils m'ont mis quelle image Quoi Ils m'ont mis une image d'archer Pourquoi j'ai une image d'archer Y a même pas de précision. Bon bah c'est comme ça. Hein. Ouais non faut la refaire. Du coup il y a pas la bonne image. Faut la refaire jusqu'à temps qu'on ait une bonne image. Euh... Ah peut-être que je prendrais. <laughs> Est-ce que je prendrais pas un truc tout fait en fin de compte hum... Alors. Spécialisation combat, caractéristiques préférées, endurance et chance, talent majeur, acrobatie, armure légère, armurier, athlétisme, discrétion, lame, sécurité, swagger. Ok. Désirez-vous vraiment être un swagger Le jeu y met le doute aussi. Faut reconnaître que le jeu émet le doute. Là, là j'ai un doute J'étais sûr il y a quelques instants, mais maintenant qu'il me le demande, je suis plus si sûr. Est-ce que tu veux vraiment être un swagger en fait? Allez, d'accord. Oui. N'était pas loin. En tout cas, les rats et les gobelins ne vous causeront pas de soucis. Après les égouts, quoi d'autre Vous devez apporter l'amulette à Joffre. Ne prenez aucun risque, mais partez sur le champ pour le prieuré de Waynon. C'est bon oui, <laughs> non. Expliquez-moi ça mieux. Faites attention à vous. Tout va bien se passer. Je sais que ça fait beaucoup de choses à assimiler. Je suis le premier surpris de laisser partir un prisonnier en fuite avec la mulette des rois. Mais si l'empereur vous a fait confiance, c'est qu'il a ses raisons, et je fais confiance à l'empereur. Il faut apporter la mulette des rois à Joffre, au prieuré de Weynon. Il saura qu'en faire. Joffre devrait savoir comment trouver l'héritier dont l'empereur a parlé. Il faut apporter l'amulette à l'héritier de l'empereur Uriel pour qu'un nouvel empereur puisse être sacré. Et vous Qu'allez-vous faire Je reste ici afin de garder la dépouille de l'empereur et je veillerai à ce que nul ne vous suive. Vous feriez mieux d'y aller. Puisse Talos vous garder. Attends, tu vas juste regarder son cadavre Ah oui, c'est vrai qu'il y a un jeu <laughs> Je rigole pas, mais. Vous savez, quand on est revenu sur le jeu, j'ai passé tellement de temps à créer mon personnage que quand je me suis remis à bouger mon perso, j'étais là. Attends quoi Mais oui, c'est vrai qu'à la base, c'est un jeu. On n'est pas juste là pour créer le personnage. Ah, d'accord, donc ça c'est d'accord. Il m'a donné la trame principale. Donc du coup, j'ai plusieurs quêtes. Kingly98, merci pour le Prime. Merci pour les 3 euros une fois de plus. Songbeer, merci pour les 7 mois. Big merci pour ton Prime. Kingly98, merci pour le Prime. Eat My Potatoes, merci pour les 9 mois. Merci beaucoup, les gens. Et Bukaki, merci pour le subs. Bon, moi bah j'ai bientôt fini le jeu, les gars. J'ai bientôt fini le jeu, le personnage est créé. Écoutez, le personnage est créé. Il est 2h09 minutes. 2h09 minutes. Et j'ai bientôt fini la création de mon personnage. On est plutôt sur une bonne performance. drainer 07. C'est Rafiki. Merci à vous deux pour les premiers et bienvenue à vous. Ah la quête est en anglais. Bon, c'est pas grave. Je suis capable de comprendre l'anglais. Petit bug. Oui oui oui, merci pour les quêtes. C'est vrai que t'as plein de quêtes quand tu finis le tuto. Oui oui j'adore les quêtes, je les adore. Ok. Attends une petite minute. Ouais mon bro Euh... Je suis en stream. Non 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 mais t'inquiète, oui j'avais besoin de toi. Mais je veux dire t'es habillé. T'es habillé. Ok ok ok. Bah écoute, tu peux venir mon bro Faut que tu valides mon personnage Parce que là je t'explique en fait, ça fait 2h10 que je stream Et j'ai toujours pas le fini le tuto d'oblivion Donc attends, je vais te passer le casque Donc je vais te laisser review mon personnage Et tu me dis si tu trouves que j'ai fait des grosses erreurs ou quoi Parce qu'il n'y a pas de souci, les viewers sont totalement prêts pour que j'en recrée un Ça fait 2h que tu fais 2h10 Et je n'ai pas fini Alors vas-y Ok normal On l'a appelé Ricardo Ricardo, flic Ouais, Ah t'as vu oui, on a la référence exact, exact, ok Signe du zodiaque donc l'amant En gros ça me permet d'avoir un gros bonus de personnalité et de chance Hein Utiliser le pouvoir de baiser une fois par jour permet de paralyser un adversaire Exact Ok C'est un pouvoir en fait Ouais, ah, ok normal Tu la paralyser pendant 60 secondes et tu peux faire ce que tu veux Ah C'est très intéressant d'apprendre point vue combat Ok Ou d'un point de vue discrétion Ouais Ouais ok, discrétion j'aime bien Swager. Tu as cette lettre. Hein J'ai le droit qu'à 7, hein le qu 7 lettres, OK, OK, Swager. Tu devrais peut-être retirer un des écouteurs. Ouais, c'est intelligent. <laughs> Niveau 1. OK, Donc parce que t'as pas encore. Donc là, c'est mes points de santé, prendre en fait pour le magie, point de fatigue. Donc tu vois que je suis très endurant. Ah oui. Du à mes nombreux points en endurance. L'amend endurance, c'est logique. Peux voir mes OK, ouais, ça c'est ça se met en, en fonction de ce que tu choisis, c'est ça Ok. Pour toi, tu peux voir que la chance, je l'ai énormément boost. Ouais, la chance influe sur tout ce que vous faites, mais ne régit aucun talent. Ça Donc, veut dire quoi qu régit N'est associé à aucun talent, par exemple. Ah, ah, ah Ok, c'est bon, ok, j'ai compris. Bah, tu vois, tu vois. Ouais, si t'as beaucoup de force, t'as pas beaucoup d'agilité et rapidité. Exact. Ok. Enfin, non. <rire> 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 mais t'as compris, tu Ouais, j'ai compris. Ok. Donc, c'est <coughs> armurier, athlétisme, lame, acrobatie, armure légère, sécurité, discrétion. Donc, on est sur une espèce de assez furtif, quand même. Ouais, ouais, c'est pas trop logique, je trouve, moi. Bah, parce que t'as bon, pas, oui. pas beaucoup d'alleux de. Ah, ouais, briseur, ouais. ouais as pas de quoi, en fait, t'as pas beaucoup de rapidité et d'agilité, et je pense que ça peut te porter préjudice parce que tu veux des armures légères. Ça veut dire que tu veux des armes légères. Genre des dagues, et des trucs comme ça, non Des arbalètes. Et oui, Eh <laughs> <laughs> oui, eh ouais. Du coup, la force ça te sert à rien en soi si tu veux être discret et tout. Mais après, tu veux quand même avoir de la force, on sait jamais si quelqu'un te parle mal, tu baisses à merde quoi. Exact, c'est okay. ma capacité de porte d'objet aussi c'est ah. Yes, yes sir. Et là, tu peux voir faction, donc je fais partie de rien pour le moment. Ok, ça c'est dans... dans la game ça. Exact. Et là, il y a les stats du jeu, mais pour le moment, il bah, n'y a rien, j'ai même pas fini le tuto. Bah c'est bon, tu veux quoi là Tu veux changer quoi Bah rien, je... est-ce que tu valides Ah, je valide. Oui. Je... Juste toi, je sais que tu as mis la force, ouais. mais tu as envie d'être de... un, petit... un petit vicieux quoi.

Rapidité de l'ange, je te jure Aldé, il est trop bien ah ouais Et tu peux pas créer sa tête Euh... Bah là, il y a déjà sa tête, et je l'ai déjà fait avant. Ah, ok, ok, ok. Et Ambivion, c'est un peu en jeu là, là, Ah, d'accord. Ouais, bah c'est normal, il date de 2006. Je et... Ouais, oh. ah, je sais, j'ai je... révisé. Merci beaucoup. <laughs> beaucoup, Merci beaucoup et que... le chat, ils veulent quoi Bah, ils te remercient. Ok. Après, en vrai, tu devrais peut-être recréer, parce qu'en fait, niveau rapidité, ça, ça me bloque un peu. Ah ouais Ouais. En vrai, ça te coûte quoi Rien, en soi. Bon, okay. <laughs> Go recrée, bro. Bon, okay. Vas-y, tiens. Merci. <laughs> je peux fermer la porte, bro. Merci. Re. Bon, j'ai bien réfléchi à la décision de Kamel et je pense que là, sa première euh, réponse venait du cœur, donc euh, on va garder ce personnage-là. J'ai bien réfléchi et je pense qu'on va garder ce personnage-là parce que je voulais un personnage très très équilibré. Alors que dans la tête de Kamel, il voulait quelqu'un de très porté uniquement sur la discrétion. Mais ça m'étonne pas du petit père Kamel. Donc vous inquiétez pas. Je crois qu'on va rester là-dessus. On va du coup lui mettre des armures légères. Parce que forcément, si je veux upgrade mon talent d'armure légère, il faut lui mettre tout ce qui est armes et armures légères. L'amulette des rois, je ne peux pas l'équiper de toute manière. Ce n'est rien d'autre qu'un objet de quête. Dommage parce qu'elle vaut extrêmement cher. L'âme, le bouclier armure légère aussi. Bon, j'ai deux parties d'armure lourde, mais c'est pas trop grave. Et voilà! C'est parti pour un maximum de gameplay maintenant. Crochet, flèche. C'est vrai que j'avais oublié que c'était ça. Est-ce qu'il y a l'ambidextrie dans Oblivion J'ai oublié. Je crois qu'il n'y a pas Non non non. Non je suis sûr qu'il n'y a pas. Attends. Non je suis quasiment sûr qu'il n'y a pas l'ambidextrie. L'ambidextrie dans Oblivion. Je crois que c'est une arme et... Je crois que c'est juste une arme et... Oh non, je porte trop de charge. Euh, on va retirer ça. Une arme dans une main et rien dans l'autre. Une arme dans une main et un bouclier. Ah et euh, ou une arme à deux mains. Mais t'as pas accès au... Ah d'ailleurs Je viens de me rendre compte que c'est différent euh, de Skyrim aussi dans un, dans un autre truc. C'est que du coup, t'as pas la catégorie arme à deux mains et arme à une main. Mais juste un type d'arme. Donc là par exemple, si je décide de prendre une grosse épée à deux mains, bah je peux en fait, je serai pas pénalisé parce que ça restera dans le talent lame. Et ça c'est cool. Ah <laughs> Porte, île pour la cité. Avant de quitter les égouts. Vous pouvez reconsidérer votre personnage. Choix de la race, choix du signe zodiacal, choix de la classe. Tiens, tiens, tiens. C'est vrai qu'en soir on aurait pu juste faire un personnage pour euh, le tuto et là décider de faire quelque chose de tout nouveau. Tiens donc, tiens donc, tiens donc. Ah, allez, on va rejoindre la sortie des égouts. si <laughs> Asperge 13. Asperge 13. Asperge 13. T'es dur à prononcer. Merci à vous deux pour les resubs. Tu conseilles de jouer Oblivion, même si on est un débutant sur le Elder Scrolls Euh. Ton personnage sera certainement un chier et incohérent. Mais je trouve que c'est un super jeu. Et qu'il est vraiment très complet. Et que graphiquement, ça va. Bon, on n'est clairement pas sur un niveau Skyrim, mais ça va. Donc euh, ouais, moi je le recommande même à quelqu'un qui, qui est un débutant et qui a envie d'y jouer. Creatix, merci beaucoup pour le prime. Réparation du planétaire, donc nouvelle quête lorsque tu sors. Boom. Boom. Sauvegarde rapide. La, la musique dans Oblivion est bien trop belle aussi, il faut la monter. Juste écoutez ça, écoutez ça, merde. Les OST d'Oblivion...